Yagbere encore les amis. Cette semaine, dans votre émission Vidéo Buzz, on traitera l'affaire Prumut d'Or une bonne fois pour toutes. On a pu constater une vraie adversité ces derniers jours sur la toile au sujet du Prumut d'Or. Après le discours de Kees Bloom, on comprend clairement qu'il s'autoproclame le meilleur favori pour le Prumut d'Or. Didi B se sent indexé, il répond par une vidéo toute faite pour étaler ses succès. Alors, le bilan de cette année? Tout d'abord, monsieur, je tenais à vous féliciter pour cette année extraordinaire. On a été numéro 1 Boomplay, numéro 1 Apple Côte d'Ivoire et numéro 1 iTunes. C'est dingue. Je pense que le seul endroit où vous n'avez pas été numéro 1, c'est au Ballon d'Or. Il a tout raflé cette année. Ouais, quand même. Quand même. Il reste encore le Prumut. Ah ouais, exactement. Il reste le Prumut. Mais est-ce que vous avez de la concurrence? Ça dépend de ce que tu appelles concurrence. Des personnes qui pourront par exemple dire qu'elles ont fait plus de vues YouTube que vous cette année. Écoute, la vidéo la plus vue actuellement sur YouTube est une vidéo pour enfants, Baby Shark. Est-ce à dire qu'elle est meilleure que le rap gospel? Oh, chaud. Est-ce qu'il y a une personne qui a été meilleure que vous cette année? Il y a bien une personne. Cette personne m'a toujours surpassé. Tu es chrétien, ou bien tu fais couper des galets, ou bien tu es dans quoi? Mais nous, on ne comprend plus rien. Prumut, là, c'est la musique des gens qui sont dans le monde. Nous, on est dans le monde. Nos petits amusements, là, tu veux venir envoyer tes éléments d'église, là. Ils vont voter en temps, parce que l'église, là, on connaît où. Dès que le pasteur va dire non, bon, le culte est fini, allez-y sur Facebook, votez Kees Bloom. Vous allez mettre Kees Bloom dans Azalaka Péon. Est-ce que Jésus connaît Azalaka Péon? Lui-même, normalement, il doit dire non. Va te mettre dans concours de gospel là-bas, c'est là-bas que tu dois aller. Laisse-nous dans la mesure du monde là. Le nom de Kees Bloom aujourd'hui est sujet à polémique. Oh, il a fait ci, Kees Bloom a fait ça. Des débats et des débats autour de ce nom. Et puis Kees Bloom, je profite pour te dire mon frère, tu sais, avant là, il y a des choses que tu pouvais faire. Ça peut passer, mais maintenant là, ça ne peut pas passer. Parce que quand tu sers Dieu avec autant d'impact, tu dois faire attention à tes connexions. Tu dois faire attention à tes connexions. Sois très vigilant. Faut beaucoup prier. Parce que l'ennemi ne va pas s'arrêter juste à ça. Ce scandale qu'on voit là, c'est parce qu'il va encore continuer. Mais il faut beaucoup prier. Et nous là, notre rôle c'est de prier pour ce jeune. Prions beaucoup pour ce jeune. En tout cas, nous, on espère de notre côté que la surprise ne sera pas désagréable pour les deux artistes. Car ne sait-on jamais, le Prumut d'Or peut ne pas être décerné à ces deux-là. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.